Allez, dernier épisode de cette session. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Let's go. Pam pam. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Ok. Les entrepôts de CyberLife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Et hop, voilà. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Let's go. Je l'ai en fait là, je peux pas passer. Sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide. John ! D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quelle poisse. Let's go.
Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Paum, 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 paum. Alors... Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Vous ne voulez pas être libre. Vous pourriez venir avec nous. Alors je les libère. Pacifique Marcus. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur. Et oui. Ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Let's go! Ici, je l'avais fait de manière agressif. Clips. Après quoi, ils aboient encore. C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener mes gamins camper ce week-end. Mais là, c'est râpé. Mike crois. Est toujours dans la zone 4. On dirait bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux ici que dehors à patrouiller. Alors comment je peux faire? Merde, c'était quoi ça? Les bidons sont tombés. Allez, vite là. Où les gardes? Bon, ça va, c'était easy. Tu l'as trouvé? Bien joué.
Montez. Let's go. Ah merde, c'est qu'après il y a le contrôle. Et ouais, je vais me faire contrôler par eux du coup. Donc, je vais pas contrôler vu que c'est automatique. Ah. Oh bah c'est bon, tranquille. Tranquille. Un chargement. On a réussi à voler tout un chargement. On a assez de composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jéricho parce que les androïdes sont libres ici. Libre de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant, et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Let's go. Ok, on enchaîne. Ah, le Eden Club. Cette fois-ci, on va pas se louper. À l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Le style toujours Hank, hein. Faut changer ça, hein. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Hello. Vous n'allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Oh, salut, Hank. Salut, Ben. Comment ça va? C'est cette pièce-là. Oh, attends, Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Ok, let's go. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse.
Ça commence à sentir l'alcool ici. Lui, malheureusement, on n'a jamais de confrontation avec lui. Sauf une fois dans la salle d'épreuve, je crois, à un moment. Moi, je l'ai pas eu. Des critiques. Oh, hey. Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. WR400. Cardiaque. Mike Graham décédé. Strangulation. Cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excite. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes ? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Merde. Le dernier est jamais appuyé, et là il a appuyé évidemment. Comme de par hasard. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est mort ? L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Donc c'est l'autre androïde qui l'a étranglé, c'est bien ça ? La dernière question ne sert à rien et on n'aura jamais de réponse. Bon. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à Perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Les androïdes restent chez eux. Déviant parmi tous les androïdes du club. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin il est venu deux ou trois fois peut-être. Vous savez, ils viennent, ils font leurs affaires et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais. Enfin si. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Allez, viens, Hank. Pouvez-vous louer cette tresse ? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance.
On va la sonder. Bordel, connard. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Alors. Parti vers la droite. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une tressie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Essayons celui-là. Ça a intérêt. Je vais me louper encore une fois. Elle bouge partout elle en plus là. Ok, c'est bon. Elle va où elle? Dans le nord. Il a vu la tressie aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Si, comment tu peux savoir lequel a vu la tressie aux cheveux bleus, hein? Je sais. Ok. Là. Ok. Ouais, c'est mort, je le sais déjà, et on finit. Ok. Non, j'ai encore perdu sa trace. Voilà le balayeur. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Let's go, Hank. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Ah!
Brock. Grouille, elles vont s'échapper. Trop dur les touches Xbox, hein, vraiment. Voilà. On a fait ce que je voulais faire, c'est bon. Je viens d'Elian. Cet homme a cassé l'autre Tracy. J'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. Voilà, oh, qui remonte. C'est sans doute mieux comme ça. Il remonte, Hank. Ok, ok. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Allez, hop. Faire un mécano. Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... Tu te trompes, mon pote. Thank you.
Pirate Cove. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Je sais qu'au début il y a rien à faire, donc on va aller vers le fond. Je vois si je peux avoir un autre endroit que celui que j'avais trouvé la deuxième fois que j'ai fait le jeu. Ah bah je peux trouver un mec. J'ai pas trouvé ça, tu vois. Bonjour. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. T'inquiète, Lubu. À gauche, là, il y a un abri, mais je vais voir un peu plus loin si... Non, en fait, il n'y a vraiment qu'un seul abri dans le truc. Non, il n'y a qu'un seul abri, ok. Tant pis, hein, je pensais qu'il allait y avoir plusieurs abris, mais non. Et non, il n'y en a pas plusieurs. Je vais le faire. Et voilà. Ok, ferme la porte maintenant. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Le bouquin, on s'en fout. Quelque chose ici, je crois pas. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Let's go. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait partie d'une famille. Mais on peut peut-être en créer une ensemble. Et être heureuse à notre façon. Ok. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Ah ouais, c'est ça, allez. Allez. Allez, viens te coucher.
Allez au lit. On parle à Luther vite fait avant. Non, je peux pas parler à Luther. Le roi apparemment. Apparemment je suis puni, je peux pas parler à Luther. Non. Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. J'aimerais bien, mais bon. Il était une fois un chevalier qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. J'en ai inventé une, t'inquiète. Il était une fois une petite fille qui... était casse-couille, oh. Qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... mais elle pouvait pas, en fait. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était programmé pour obéir aux ordres, mais qui, pour une fois, pensait qu'elle devait désobéir. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour échapper à l'ombre qui hantait la maison, de terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... mais elles voulaient tellement être libres qu'elles surmontèrent toutes les épreuves. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent Luther, le boss. Un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment l'histoire? Il n'appartient qu'à nous d'écrire la fin de l'histoire. Allez au dodo. Allez au dodo la mioche. On est qui nous attend demain. Ça dégage maintenant. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein Luther? Oui. Oui, bien sûr. Alors, et en plus, elle fait des caprices. Elle fait s'agenouiller Luther. Eh ben. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Ok, je vais enfin parler à Luther. C'est une bonne petite. Non. Il faut. Ouais. Elle est très courageuse. Ah, j'ai un truc que j'ai pas débloqué. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Demande c'est quoi le truc? Tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Si, bien sûr. C'est une petite fille formidable. Et Luther, il le sait, lui, enfin, est pas con. Je connais pas beaucoup de petites filles. Mais je pense qu'elle est vraiment spéciale. Je sais pas où je tire.
peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara ? Allons-y ! Bienvenue ! Non, tant pis. Malheureusement, personne ne verra jamais ton message, non. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. J'y comprends rien à ce que vous racontez dans le chat. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Que pour Kara, je sais ce que je vais faire pour la fin. Pour la fin, je crois savoir. Oula, la rancune est tendue, va me démonter. Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant... Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Choc émotionnel, tel est le lien. Nous savons que les déviants ont éprouvé un choc émotionnel. Un violent traumatisme ou
un sentiment d'injustice. Ces filles à l'Eden Club, elles avaient de quoi éprouver un sentiment d'injustice. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Vous avez l'air anxieux, lieutenant. Qui aurait cru que des machines auraient un tel effet sur vous? Et si on parlait de toi, Connor? Non! Madaki! T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Vous savez exactement ce que je suis. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas en quoi ça peut servir votre enquête. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cache? GG pour le level up, Jordi. Rien du tout. Bientôt premier Jordi, hein. Le trou noir. Le paradis des robots. Je doute qu'il existe un paradis pour les androïdes. On a des doutes existentiels, Connor. T'es sûr que t'es pas un déviant, toi aussi? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Il va me tuer ou pas? Il m'a jamais tué jusqu'à présent. Ah, ça va. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Ok, sinon il nous tue. Il y a deux choix. Il reste combien de temps? Il reste 12 minutes. C'est une mission longue celle-là. Non, ça va. Bon bah après cette mission, on arrêtera la session, je pense. Channel 16 là, là qu'on va faire. Aïe aïe aïe. Tu pouvais éviter de nous foutre désormais. En plein dans l'esprit, c'est bien. Les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Aïe aïe aïe, c'est maintenant la mission là. Channel 16, il y a giga longue celle-là par contre. La salle de contrôle est située au dernier. Bah c'est pas grave, hein, ça va durer un peu plus longtemps. Non, je les masque pas. Parce que quand vous parlez d'un truc qui n'a aucun rapport avec le jeu, pour éviter que ça... Ça met des messages pour rien. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails, on ne peut rien laisser au hasard. Tout simplement, hein. Attends, je vais faire le troisième choix pour elle. Vas-y, speedrun, les gars. Hein.
ok. Elizabeth Wilson, j'écoute. Ouais, j'avais fait parking, j'avais fait école, on va faire pompier. Oui, bonjour. Ici la brigade des pompiers de Détroit. Vous habitez bien au 4685 rue Michigan? Ah, oui. Eh bien, il y a eu un incendie dans votre immeuble. Vous pouvez venir? Oh mon Dieu. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Ok, let's go. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. Marcus, le cheater! J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Et let's go. Je peux prendre l'ascenseur avec eux ou pas? Ah, ils veulent pas. Let's go. Bon là on va speedrun encore les amis. Hein. C'est un peu long et on l'a déjà fait deux fois déjà. Et les choix sont pas trop différents. On reste où? Je crois que c'est à gauche. C'est par là. Non, c'est pas là. Bathroom, c'est vers la droite. C'est là. C'est là, c'est là. Allez, let's go. L'Android, il est en train... Mais il est là. J'ai besoin de ton aide. Elle est là-bas normalement. Je me fais nerf par le gros bout d'entretien là. Ça, on avance vite quand même. Non, je te suis, mais faut pas s'arrêter toutes les 5 mètres. Hein.
On doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Alors moi, je fais toujours la machine de café, à café. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux casser ? La machine là. Tu sais ce qu'il me faut, ouais. Non, t'es obligé de faire la machine à. Pas trop de choix apparemment. Je m'occupe de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Ok, hop. Let's go, les guys! Honneur aux dames. Allez, les gars, let's go! Let's go. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, tout se passe bien pour l'instant. Ok, c'est parti. On va faire pacifique, hein, comme j'ai dit. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Piège ! Attendez-moi ici.
Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, hey, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit... Qu'est-ce que tu fais? Obligé de menacer vos guns, en fait. Let's go. Le piège. Gank. La jungle. Frappe de bronze. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge. Allez. Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Bon app, Jordi. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Allez, c'est... Pacifisme! Marcus, ton visage. Non. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! T'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire. Ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider.
Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va. Et allons-y. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Pourrait être perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Non. On va faire confiance aux machines. Bon, ben voilà. J'ai réussi à faire un truc à gauche. Quoi que j'ai réussi à faire ? Imiter un pompier, quoi ? Non. Ah oui, imiter un pompier, ok. C'est par le téléphone. Bon, on va se stopper là, du coup, pour cette session. De toute façon, ça va reprendre la cinématique en cours, donc autant quitter maintenant. Et voilà. Fin de session, et on reprendra bientôt.